À la une ce soir, la Guadeloupe qui tisse des liens avec Antigua depuis quelques jours. Une délégation du ministère du Tourisme et du Comité du Carnaval d'Antigua est en visite chez nous. Son objectif, visiter des points stratégiques qui pourraient servir de base au développement des échanges entre notre archipel et l'île aux 365 plages. Ce soir, les feux du carnaval sont braqués sur la commune de Saint-François. Dans moins d'une heure débutera la grande parade nocturne. Mais comment se met en place un tel événement? Nous irons dans les coulisses des préparatifs avec Linda Kayarsi. Des organisations, une organisation de plus en plus coûteuse, mais pour quelles retombées économiques? Depuis plusieurs années, les communautés d'agglomération se muent en organisateurs des défilés. Nous verrons comment les professionnels de Saint-François se sont préparés à tirer profit de l'événement. Et ce lundi gras était un moment de fête aussi pour les marchandes de Basse-Terre. Radieuses, comme chaque année, elles ont quitté leurs étals, vêtues de leurs plus beaux atours, pour défiler dans les rues de la capitale au rythme du carnaval. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Dans moins d'une heure maintenant, débutera la grande parade nocturne dans la commune de Saint-François. Matamba, Gumball Star, Waka Shireborn, près de 26 groupes sont prêts à prendre le départ pour assurer le spectacle devant près de 20 000 spectateurs. Mais comment se met en place un tel événement? Direction les coulisses des préparatifs avec Linda Kayarsi. Pour cette nouvelle édition de la parade nocturne de Saint-François, toutes ces petites mains sont sur le qui-vive. Et cette année, c'est le comité Carnaval 118 qui organise. Cette année, nous avons deux gradins qui vous attendent. Deux gradins qui vont être situés en face de la poste de Saint-François à côté de la BMP. Nous avons aussi un gradin de 900 places qui se trouve à l'avenue d'Europe. On aura 1300 places assises pour la population. On aura des places vendues à 15 € à l'avenue d'Europe. Et à 20 € se trouve le jury en face de la poste de Saint-François. 20h à 21h, nous avons une manifestation, nous aurons des groupes de coca, nous aurons des steel bands, nous allons avoir aussi la danse indienne pour attendre le carnaval. Ce soir, à 20h, plus d'une vingtaine de groupes vont s'emparer des rues de la ville. Et pour profiter pleinement du spectacle, la circulation et le stationnement sont réglementés. À partir de 16h30, on va commencer à fermer les grandes axes. Saint-François va commencer à fermer par la police municipale de Saint-François. Et à 18h, les gendarmes seront en place dans toutes les axes pour entrer à Saint-François. Il sera pratiquement impossible de circuler dans Saint-François à partir de 18h. Cette année, on a mis quelques parkings à disposition des spectateurs. Alors ceux qui viennent de Sainte-Anne, vous allez avoir le parking de Bricot Déco à l'entrée de Saint-François qui sera à votre disposition. Et ceux qui viennent du Moule, vous avez le parking de l'IDR Presse qui sera à votre disposition pour garer votre voiture et vous serez le plus peu possible du circuit. L'an dernier, près de 20 000 spectateurs ont assisté à la parade nocturne. Et depuis plusieurs années, il est apparu autour du carnaval un discours économique. Les communautés d'agglomération se sont muées en organisateurs des défilés. Comment les professionnels parviennent-ils à tirer profit de l'événement? Réponse, enfin illustration à Saint-François avec Linda Kayarsi. Trécia est sur le pont depuis ce matin, 8h. Objectif, satisfaire ses clients du jour. Alors, on s'organise depuis 2 jours pour pouvoir faire les préparatifs. Alors, le service va commencer à midi et ce sera journée continue jusqu'à minuit, 23h. Aujourd'hui. C'est une clientèle variée, on a tout, les touristes, les locaux, on a tout le monde. En tout cas, vous êtes prêts pour ce soir? Nous sommes prêts. Et par conséquent, difficile d'imaginer une rupture de stock. Des boissons en plus, des jus faits maison, de la Christophine, du boudin, des acras, des hamburgers, des agoulous. Tout fait maison, des cocktails, mojito, pina colada, planteur, tiponche, daiquiri. On fait tout à la minute. Pour Christelle, gérante de pizzeria, l'ouverture se fera vers 17h, mais là aussi, on s'affaire depuis ce matin. La journée va être longue. De 17h à 4h du matin, non-stop. Et vous pensez que les clients seront au rendez-vous? Oui, chaque année, tout le monde vient au carnaval de Saint-François et on a toujours beaucoup de monde sur Saint-François. Pour faire face au rush de ce soir, priorité aux pizzas emportées. Oui, je suis prête à recevoir notre beau carnaval 2018 et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. En attendant, c'est le rangement. Le balayage, le nettoyage, la mise en place. Chez ces tatoueurs, ambiance tranquille. Mais ils se tiennent prêts à tatouer à tout moment, en ce lundi gras,
les envies peuvent être soudaines. En fait, ça dépend. Des fois, il y a des touristes qui veulent partir avec un petit souvenir ou bien ils veulent faire quelque chose de peu plus personnel, quoi, on va dire, les gens d'ici. Bon, aujourd'hui, ça va être journée continue. Hein. On va laisser la porte ouverte pour laisser les gens entrer, voir les dessins, voir les trucs, profiter de voir un peu comment l'état tout se passe. Et puis attirer un peu plus de clientèle vers nous. C'est aussi l'occasion de faire connaître leur art. Nous, surtout, c'est dans le tatouage qu'on est. Les autres à côté, c'est dans la bouffe. Après, les autres, c'est dans des activités, on va dire, un peu plus locales. Mais bon, il y a la vie à Saint-François, à connaître. Boum, boum. Cette année encore, tout ce petit monde est opérationnel pour faire recette. Véritable institution, le carnaval qui attire des milliers de personnes, soit pour défiler dans les rues, soit pour regarder le spectacle tous les dimanches, a aussi une part de mysticisme appelée l'esprit du masque. L'association Tout est possible a eu l'idée d'en faire un film intitulé « Deyem Asla, l'âme du peuple », coproduit par Canal Plus Anti et réalisé par Dimitri Zandonis. Il sera diffusé ce samedi sur Canal. Mélanie Béné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la coordinatrice de l'association Tout est possible, présidée par le chanteur très connu, ici qu'on a reçu plusieurs fois, Dali. Vous êtes aussi la directrice de production de ce film documentaire, le premier réalisé par ces jeunes de l'association. Je rappelle, il y a 2 ans, certains de ces jeunes ne savaient même pas utiliser... Une caméra. Pendant 2 ans, ils ont suivi des groupes, des musiciens, des fouettards pour pénétrer cette part de l'esprit de masse. On regarde un peu ce que ça donne, petit aperçu, on regarde ensemble. J'ai pris cette association avec ma mère qui était trésorière et ma voisine qui était secrétaire. Tu veux bien que je travaille avec toi sur le projet, il a accepté, donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'association. Chanter une chanson dans l'audiovisuel, les gens ne comprennent même pas ce que c'est. Ça m'a fait plaisir de voir qu'en retournant ici, que j'ai une formation mais qui me donne un niveau supérieur. Oui, mais j'ai énormément appris parce qu'à la base, je faisais pas de vidéo. En janvier 2016, je leur dis, bon, ben, écoutez, vous allez faire un documentaire pour votre premier exercice. J'ai dit qu'en aval, et c'est de là que le travail est passé. Je lui dis, bon, on va tout faire pour que vous puissiez être diffusé en télévision. Je raconte ça là, mais on filmait M. Eric Nabajot pour la 2e fois. Le son n'est pas passé, donc on a eu très chaud. Et en fait, c'était juste un paramètre qu'il fallait régler, et après le son est sorti nickel, et ouais, c'était la joie. Tourner, prendre le pied, filmer les groupes à peau. On aime le son, le mood de l'ensemble. Avec Didier Dali, on a été présenté le projet à Michel Grandjean. Elle a trouvé ça génial et en fait, elle nous a dit je vous suis. Au fond de nous, on sentait qu'on tenait quelque chose, on va dire, pour la voix. Bah, surtout pas fait de rire parce que c'est Canal Plus. C'est le single. On est content, mais on sera encore plus content lorsqu'on va voir le film. 10 au début et 10 à l'arrivée, en fait. Ils n'ont jamais lâché le coup. On est en train de réfléchir à comment les garder. Mélanie Béné, en regardant ces images, cet extrait que vous connaissez très bien, okay. Après avoir suivi ces jeunes pendant 2 ans, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, une vraie fierté, parce qu'au bout de 2 ans et quelques mois, on a enfin quelque chose, un produit qui va passer sur Canal+, qui quand même n'est pas rien. Diffuseurs. Voilà. Et je pense aussi, en fait, la fierté pour ces jeunes, parce qu'ils vont, en fait, au-delà de leur réussite personnelle, prouver en fait qu'en 2 ans, ils ont été capables de faire un documentaire qui se tient et qui est aussi efficace que des réalisateurs ou des producteurs qui sont là depuis longtemps. On l'a vu, il s'agit d'un film de création avec de très belles illustrations, de très belles images aériennes, mais aussi des témoignages édifiants. C'est un film qui porte une réflexion. Quelle est justement cette histoire ? Eh bien, en fait, le projet est né en fait d'un exercice, puisque en début de formation, ils avaient donc une partie vraiment théorique, donc de production pour des potentiels clients, mais une partie aussi en cours, donc de formation, où Dimitri Zandronis et eux ont eu une réflexion sur quel exercice ils pouvaient faire. L'avantage, c'est que c'est tombé en février 2016. Donc, ils se sont dit, bon, ben, essayons sur le carnaval, ce sera facile d'aller tourner, d'avoir différents aspects, à la fois les groupes à peau, les groupes à caisse claire. Et c'est parti de là. Donc, ils ont fait un petit exercice.
Donc ça s'est un peu effrité au cours de l'année 2016. Et fin 2016, il y a un de nos jeunes qui nous a présenté en fait une bande-annonce. Et là, ça a été les frissons et on a dit « Ok, on fait un documentaire dessus ». Et c'est fin 2017 qu'on a montré la bande-annonce à Canal+. Et on a vu les yeux de Canal s'illuminer comme les nôtres. Et ils ont dit « Ok, on vous suit sur ce projet ». C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à avoir un rendu digne d'un professionnel du cinéma. Oui, exactement. Ça nous a permis de voir en fait, vraiment leur évolution de l'exercice. Pour des gens qui étaient en rupture, exactement. Des fois, en rupture avec la société. Hein, carrément. Oui, tout à fait. Puisque c'est le but même du chantier d'insertion de réussir à redynamiser des avenirs professionnels autres que les parcours classiques. Alors ça a été un hasard que ça tombe justement à ce calendrier, que ça tombe au mois de février pour la réalisation de ce film, mais il y a une histoire beaucoup plus forte, c'est celle de l'âme d'un peuple, une réflexion sur le mysticisme, l'esprit de masse. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Ben, c'est sûr qu'en fait c'est au fil de leurs interviews qui se sont rendus compte en fait de tout ce que représente le masque à la fois pour les carnavaliers et pour les gens interrogés comme les psychologues ou les organisateurs même de carnaval et puis toutes les petites polémiques qu'il y a au final entre groupe à peau, groupe à caisse claire, mais bon je ne vais pas tout dévoiler. Je ne peux pas tout dévoiler, on verra ça samedi soir sur Canal+. Samedi soir sur Canal+, sur le petit écran pour les abonnés. Oui. Ensuite, largement, est-ce que ce film a vocation à être diffusé sur d'autres chaînes ? On espère, alors peut-être plus loin que la Guadeloupe. Alors déjà, il sera diffusé donc, sur Canal+, Antilles, c'est-à-dire à la fois Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement l'exporter à l'international avec nos jeunes, surtout qu'en ce moment, ils sont en Martinique. Tous les week-ends de carnaval, ils sont partis en Martinique pour filmer, en fait, et pour préparer le documentaire du carnaval 2018, puisque Canal+ nous a commandé également une édition pour Martinique. Un travail qui est déjà sûr, en tout cas, pour les prochains mois. Je me pose la même question que Dali à la fin, justement, de ce teaser. Que deviendront ces jeunes ? Et est-ce que cette formation qui a été initiée il y a maintenant deux ans sera reconduite ? Oui, alors là, c'est notre vrai dilemme, c'est de savoir comment reconduire ces jeunes avec nous. Donc certains ont leur propre projet, donc l'idée c'est de les accompagner au mieux dans leur propre réalisation. Mais après, on a un petit groupe de 3-4 qui vont rester avec nous. Et là, on bataille pour trouver les meilleures formules pour les garder en contrat avec nous. Donc c'est un vrai défi. Et effectivement, oui, le chantier sera reconduit, mais pas forcément sur la même formation, puisque l'idée n'est pas de former tous les jeunes au même métier de monteur, cadreur. Il faut leur trouver du travail après. Exactement. Donc là, c'est l'idée, c'est de, en 2019, partir sur un nouveau chantier, en tout cas sur une nouvelle session avec une nouvelle formation. Merci Mélanie Béni d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que le film documentaire d'Aya Masla sera diffusé ce samedi 17, 19h-20h sur Canal+. À Fort-de-France en Martinique, pour quelques euros, il est possible de vous faire maquiller pour le carnaval. Un maquillage professionnel pour se plonger comme ça dans l'ambiance de Vaval. L'atelier Attention a du succès. Plus de 200 personnes y passent chaque jour durant les jours gras. Le reportage est signé Alizée Lutran. Comme chaque année, Max fait toujours un passage par la case maquillage avant d'aller courir son vidé du lundi gras. Et à chaque fois, c'est la surprise. Je n'ai pas encore vu. Je vais voir tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis que je me fie entièrement à son inspiration. Et c'est toujours bien fait. D'ailleurs, j'y reviens, c'est pour ça. J'aime l'ambiance aussi. Il y a une ambiance super conviviale. Les gens sont bien. Puis ce sont des artistes, de grands artistes. Là, quand vous regardez autour de vous, les gens reviennent parce qu'ils sont satisfaits. D'autres participent au carnaval pour la première fois, comme Sabine, venue spécialement de Montpellier. En passant, on a vu qu'il y avait du maquillage, donc on s'est arrêté. On était parti pour acheter des déguisements. Et du coup, on s'est arrêté se faire maquiller avant d'aller acheter les déguisements. C'est vraiment une super idée. Je trouve que de faire ça, c'est très très bien. Et en plus, ça met dans l'ambiance. Donc on arrive, on est plongé dans l'ambiance. Ici, une dizaine de maquilleurs et maquilleuses professionnels et amateurs de l'association Corée refont le portrait des carnavaliers. Ma maquilleuse du jour, c'est Gladys, plasticienne de formation. C'est sa deuxième année aux ateliers. Ça peut aller sur des choses très simples, jouer sur les lignes, faire des formes ethniques ou bien aller jusqu'à faire des chats, des tigres.
voilà, on a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent avec leurs photos pour avoir exactement le même maquillage, ou on a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc j'ai la liberté de faire ce que je veux sur leur visage. En presque 20 ans d'existence, le rendez-vous est de plus en plus prisé des carnavaliers. Durant les jours gras, l'affluence est telle que des centaines de personnes font la queue devant les portes de l'espace culturel, jusqu'à 200 chaque matin. La manifestation a été créée justement pour permettre justement aux touristes et aux locaux d'avoir une alternative, parce que les festivités commencent l'après-midi et leur permettent déjà de se mettre dans l'ambiance, parce que, et notamment les touristes venus de l'extérieur, on ne leur proposait pas systématiquement le carnaval ou n'étaient pas informés. Donc là, ça leur permet d'avoir la petite touche qui, à défaut d'avoir un costume sophistiqué, d'avoir la petite touche pour être dans le bain carnavalesque. L'idée n'est pas de faire du profit, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des prix assez bas. Et l'association avec qui nous sommes partenaires nous permet d'avoir cette marge de manœuvre. Il vous faudra débourser entre 3 et 8 euros pour vous faire maquiller. Les ateliers sont ouverts au public tous les matins durant les jours gras, de 8h30 à midi. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Et si le tourisme culturel rapprochait les peuples de la Caraïbe, exemple avec l'île d'Antigua, dans une minute. Et puis nous irons aussi défiler avec les marchandes de Basse-Terre dans la capitale. Depuis quelques jours, une délégation du ministère du Tourisme et du Comité du Carnaval d'Antigua, à l'invitation du groupe Point d'Interrogation, est en Guadeloupe pour goûter à notre carnaval et établir des liens avec le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe. Aujourd'hui, les échanges ont laissé la place à la découverte et à de bons moments dans les eaux fraîches de la cascade aux Écrevisses. Reportage Anne-Elisabeth Hartsen. Renforcer la coopération régionale caribéenne, c'est la mission de cette délégation du ministère du Tourisme et du Comité du Carnaval d'Antigua, en visite chez nous depuis quelques jours. Ils le font à l'occasion du carnaval, qui est un des temps forts de notre agenda culturel et qui présente pas mal de similitudes avec leur propre carnaval. La culture est incontestablement une porte d'entrée pour la coopération. C'est ce qui nous permet justement de réaffirmer nos valeurs communes, que de réaffirmer une certaine forme justement d'identité née de notre histoire, née de la géographie. Effectivement, ils n'ont pas de rivière. C'est pourquoi d'ailleurs on les conduit plutôt du côté de la Basse-Terre, plutôt pour promotionner un peu notre tourisme de montagne. Pour le directeur de la culture, ce séjour est l'occasion de découvrir notre tourisme vert, de quoi lui donner des idées à adapter à Antigua. There's a small fall in Antigua known as the Wallins Dam. Il y a une toute petite chute à Antigua qui s'appelle the Wallins Dam. Much smaller than this. Beaucoup plus petite que celle-ci. But the amount of tourists that will visit there. Mais le nombre de touristes qui y vont est vraiment impressionnant. It's great. C'est énorme. You know, so to come here and see this. Et de venir ici et voir ça. It's just exceptional. C'est juste exceptionnel. No rivers. On a aucune rivière. But we have 365 beaches. Mais on a 365 plages. So lots of ideas that are going through the head. Donc nous prenons énormément d'idées là de vous en Guadeloupe. Probably about 12 meetings in the short stay. On a déjà eu presque 12 meetings depuis ce petit moment de passage de séjour. And I will can only say that these meetings have been extremely successful. Et toutes ces réunions ont été couronnées de succès. And very soon. Et très bientôt. Both countries. Les deux pays. It will be a win-win situation. Vont être dans une situation de gagnant-gagnant. Cette visite ponctuée par une invitation à prendre part au carnaval de Basse-Terre, avant de s'envoler demain pour leur région, a été concluante et a fortement contribué au développement des échanges entre notre archipel et Antigua. Et en Guyane, les peuples autochtones ont désormais leur grand conseil coutumier prévu dans la loi Égalité réelle. Des représentants des communautés amérindiennes ont été choisis en préfecture. C'est eux qui défendront les intérêts des populations autochtones face à l'État français. Gaël Ouassim a assisté à cette réunion d'investiture. L'ensemble des autorités coutumières de Guyane étaient réunies ce week-end à Cayenne pour élire leurs représentants au sein du Grand Conseil coutumier. Le but de cet organisme étant de parler d'une seule et même voix, comme nous l'explique le capitaine Apuyou. Eh bien, nous aurons un rôle de consultant, hein. Nous aurons un rôle de levier, de dire oui ou non, tout ce qui va concerner le peuple autochtone, à chaque fois que
soit la CTG ou l'État vont entreprendre quelque chose qui concernera le peuple bushinengué ou amérindien, on sera consulté, on donnera nos avis. Capitaine bushinengué, chef coutumier amérindien et représentant associatif de tout le territoire était présent pour ce vote. Le grand conseil coutumier, comme la loi EROM le définit, hein, c'est l'outil de représentation des Amérindiens et des Bushinengués. Donc, c'est-à-dire que c'est cet organe-là maintenant qui est une institution, qui n'est plus une association. C'est le fonctionnement qu'on avait avant au travers d'associations. Maintenant, c'est le Grand Conseil coutumier qui sera légalement le représentant des populations amérindiennes et Bushinengués. Donc, qui sera chargé de représenter ces populations, de défendre leurs intérêts dans des domaines de compétences que la loi établit, donc dans la culture, dans l'environnement. Donc voilà, il y a énormément de dossiers qui sont en cours. Ben, ça fait voilà près d'un an que le Grand Conseil coutumier existe, hein, juridiquement, mais c'est une coquille vide. Aujourd'hui, il fallait remplir cette coquille pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle soit en ordre de marche. Pour la sous-préfecture, ce moment est historique. C'est un vrai moment d'histoire qui vient de se produire et un grand pas en avant pour la représentation des peuples autochtones en Guyane, avec la création de ce Grand Conseil, qui est une avancée considérable, à la fois en termes de représentation, mais aussi en termes de pouvoir, puisque ce Grand Conseil aura des prérogatives précises en pouvant donner son avis sur un certain nombre de délibérations de la collectivité territoriale de Guyane, mais en pouvant également se saisir de toute une série de sujets liés à la culture, liés à l'environnement, liés au mode de vie des populations amérindiennes et bushinengué en Guyane. Plusieurs problématiques et sujets attendent déjà le Grand Conseil coutumier, comme par exemple le foncier, l'environnement et la lutte contre l'orpaillage illégal, le tout avec la coopération de la CTG et de la préfecture. Et retour dans notre archipel, parmi les coutumes qui retracent l'histoire de la Guadeloupe, il y a le traditionnel défilé des marchands à la Basse-Terre. Comme chaque année, elles ont quitté leurs étals pour nous faire voyager à travers le temps. Un moment unique capté par Anne-Elisabeth Hartsen, Patrick Curie et Moïse Dexter. Le carnaval de Basse-Terre ne peut se dérouler sans le traditionnel défilé des marchandes qui débute par la messe à la cathédrale avant de laisser place à une communion dans les rues du chef-lieu. Vous savez que le marché a une place au centre-ville, une place particulière. C'est ici que tous les samedis, les familles se retrouvent. Et je trouve que ce défilé les met à l'honneur et c'est un grand moment de communion pour nous tous. Il n'y a pas de différence entre le maire que je suis, les élus, les marchandes, les citoyens, le bastérien. Vous avez vu cette fête populaire où vraiment on s'est lâché parce que le carnaval c'est aussi ça. Un spectacle haut en couleur et en musique pour le plus grand plaisir des touristes, particulièrement nombreux en cette période festive. Je l'ai trouvé très très bien, les couleurs, tout c'est merveilleux. C'est pas la première fois qu'on vient, mais à chaque fois on est au défilé et c'est super. Même sous la pluie, c'est merveilleux. C'est impressionnant et nous sommes vraiment chanceux que nous sommes arrivés à la bonne période. C'était top, c'était génial, top. Allez, quelques mois, allez. C'était parfait en tout cas. On a apprécié et on espère y retourner l'année prochaine. Merci beaucoup. Et vive la Guadeloupe. Une tradition qui perdure au fil du temps et qui s'enrichit d'année en année avec une nouveauté pour cette édition 2018. Jusqu'à maintenant, nous avons les voitures anciennes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons fait venir l'association des Bois-Bois. C'est un nouveau spectacle et nous pensons que nous continuerons à travailler avec eux parce que ça aussi, c'est le carnaval. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des associations d'aînés qui se joignent parce que les marchands ont vieilli. Elles ont intégré des associations d'aînés. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons autant d'associations d'aînés. Le défilé s'est terminé au marché central, où un repas a été servi aux marchandes, mais également à l'ensemble du public. Un moment de convivialité et de partage. Et puis, cette question, le carnaval rapporte-t-il quelque chose à l'économie à Basse-Terre? C'est la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée. On écoute vos réponses recueillies par Anne-Elisabeth Hartsen, Patrick Curie et Moïse Dexter. Ah oui, ça emmène les clients, les gens viennent regarder. En même temps, ils rentrent dans les magasins et ils joignent l'utile à l'agréable, quoi. Oui, juste qu'ils ramènent des touristes. Ils viennent pour apprécier tout le travail des carnavaliers, préparé depuis plusieurs mois à l'avance. C'est une forme d'animation totalement attractive pour la ville. Et bien sûr, donc nous avons des touristes qui viennent spécialement pour le carnaval. Ça crée autour du carnaval une bonne humeur. Et bien sûr, nous les commerçants, nous sommes ravis.
comme il se doit, comme chaque année. On espère que cette année-ci, ce serait aussi, que ça va bouger, quoi. Ah, je pense, oui. Oui, tout à fait. En maquillage, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est accessoires, voilà. Oui, toujours. Moi, je suis dans un magasin cher et je suis dans une zone rouge. C'est fini. Bastère, c'est fini. Fini mort. Quand il y a du carnaval, il y a de l'ambiance, ça attire du monde de l'extérieur, ça fait une publicité pour la ville, pour la Guadeloupe en général, mais pour la ville aussi. Et puis on essaie d'être accueillant, d'être dynamique. Pas vraiment plutôt dans la restauration, puisque le commerce actuellement, tout le monde est conscient de ça, que c'est la chute quoi. 10 heures, il n'y a plus personne qui est encore entré dans les magasins, du tout, pour vendre même pour 10 euros. Non, c'est pas facile, en mi-temps ville. Son premier ville qui devient en dernière. Nous mettons les vitrines en fonction des thèmes du carnaval. Et puis bien sûr, nous restons ouverts entre midi et deux. Nous adaptons nos plages horaires pour que les touristes puissent en même temps faire du shopping en attendant le carnaval. Donc nous suivons bien sûr l'évolution du carnaval en mettant peut-être pas... nous étions en période de solde, donc c'est en parallèle. Mais effectivement, nous avons des périodes où nous faisons des soldes. C'est le cas actuellement. Nous avons également la Saint-Valentin, plus le carnaval. Donc tout cela, bien sûr, accompagné de bons prix à Bastère. Et c'est l'heure des informations pratiques, une nouvelle qui ne devrait pas arranger les commerçants. Ces jours gras s'annoncent pluvieux. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune pour forte pluie et orage. Et la vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte est maintenue. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous ce jeudi. Donc pas de collecte pendant les jours gras, ce jeudi à Bastère. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 deux fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 12 février. Nous l'avons vu ce soir, la Guadeloupe qui tente de tisser des liens avec Antigua. Depuis quelques jours, une délégation du ministère du Tourisme et du comité du carnaval d'Antigua est en visite chez nous pour justement développer des pistes de développement des échanges entre notre archipel et l'île aux 365 plages. Et puis ce soir, les feux du carnaval sont braqués sur la commune de Saint-François. Dans moins de 35 minutes maintenant, débutera la grande parade nocturne. Nous avons vu comment se met en place un tel événement. Et puis, des préparatifs de plus en plus coûteux, mais pour quelles retombées économiques? Depuis plusieurs années, les communautés d'agglomération se muent en organisateurs des défilés. Nous avons vu ce soir comment les professionnels de Saint-François se sont préparés, eux, à tirer profit de l'événement. Et ce lundi gras était aussi un moment de fête pour les marchandes de Bastère. Radieuses comme chaque année, elles avaient quitté leurs étals, vêtues de leurs plus beaux atours, pour défiler dans la rue de la capitale au rythme du carnaval. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.